Tue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de consommation. Parce que oui, c'est important d'échapper à toutes les anarches de notre super monde capitaliste de merde. Et on va s'attaquer aujourd'hui à Coca-Cola, avec une histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est jamais arrivée dans le monde. Et malheureusement, il vient d'arriver maintenant. Dans une petite ville de la Controusse, un mec a vu un petit truc beige. Et jusque-là, il se disait, oui, c'était juste un morceau de caramel et tout. Eh bien oui, c'est bien un morceau de caramel qui est tombé accidentellement dans sa bouteille pendant la fabrication. Et du coup, ça donnait un très bon goût. Voilà, fin de l'histoire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire passionnante. Eh bien, comme vous vous en doutiez, le caramel, entre guillemets, dont je parlais, était en fait un petit araignée. Voilà. Ce qui devait arriver arriva, et comme vous le savez tous ou pas, j'aime bien montrer une petite vidéo de cette bestiole pour bien vous faire découter de tout ce monde capitaliste et tout. Alors balançons la vidéo. C'était drôle, hein. Et en conséquence, eh bien, il s'est fait rembourser par la marque. Mais attends, pour ce genre de crime, faut pas qu'un remboursement. C'est genre 10 000 euros qu'il faut donner environ, parce que là, attends, t'imagines avaler une putain d'araignée, non, avec ses pattes dégoulinantes, là, et tout. Voilà, maintenant, je peux vous faire la vraie fin en me disant que vous pouvez me revoir sur mes vidéos d'avant, et aussi me revoir dans une semaine, encore une fois.